avec un calcul mental. Alors, on commence. Vous êtes prêts? Oui. Oui. Non. Le responsable, je vais essayer. Alors, très bien. Non, c'est bon. Calculer la surface. Un diamètre, oui. On peut calculer
Le rayon. Le rayon, on peut calculer la surface rayée. Très très bien. On peut calculer la surface rayée. Pour calculer la surface rayée, qu'est-ce qu'il nous faut? Maîtrise. La surface rayée. Qu'est-ce qu'il nous faut? En échelle, la surface sur l'écran. Est-ce qu'il y a une relation avec l'échelle et l'air? Alors, lorsqu'on travaille avec les échelles, on a besoin de quoi? Des distances. Que des distances. Comment faire? C'est une activité pratique. La leçon, on l'avait déjà vue. On a déjà retiré les formules mathématiques pour calculer soit les distances réelles ou bien les distances sur le plan, ou bien lorsqu'on a les deux, on peut calculer quoi? L'échelle. Donc notre terrain aujourd'hui, on va essayer de schématiser le terrain sur le plan. Pourquoi on va le schématiser? La longueur et la largeur. Comment? La longueur et la largeur réelle ou bien sur le plan? Sur le réel. Bien sûr, réel. Pourquoi? Parce qu'on dispose dans l'école de ce. Il faut calculer quoi? Le diamètre. Le diamètre. Lorsqu'on calcule le diamètre pour le schématiser, donc je peux calculer quoi? Le rayon. En divisant le diamètre par deux. C'est aussi le géométrique. Oui. Alors, les outils qui va se charger pour le responsable. Deux responsables. Oui, un garçon. D'accord? Alors, c'est bon.
Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Vous avez envie? Les chèvres. Il faut choisir les chèvres. Donc, qui peut nous donner une mesure parmi les mesures que vous avez trouvées? 15 mètres. Oui, il a dit la distance. Alors, je vais noter. Oui. La distance réelle sur le chien. C'est la distance réelle sur le chien. Non, c'est le chien. Le D divisé par le mur. Le plan, la distance sur le plan, égale la distance réelle sur la distance réelle divisé par quoi? Le dénominateur de l'échelle. De l'échelle. Alors il y a divisé par deux. Dénominateur de l'ensemble sur le plan est égal à dimension réelle divisé par deux dénominateur de la fraction de l'échelle. L'échelle égale dénominateur sur le plan sur dimension réelle. Dimension réelle est égale à dimension sur plan fois dénominateur de la fraction de l'échelle.